Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif. Conakry, 18 mars 2024, dans la poursuite des séries d'installation et des passations des services des membres du gouvernement. Le ministre de la Défense nationale a été officiellement installé dans ses fonctions au Kang. Almani Samori Touré siège du dit département. Cette cérémonie s'est déroulée en deux phases. La première a consisté à la prise d'armes de l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Diakité à la place d'Amir du bataillon du quartier général en présence des corps constitués pour la circonstance. La seconde phase a été rehaussée de la présence des membres du CNRDIR du gouvernement et de la chaîne de commandement militaire. La cérémonie a été officiée par le ministre secrétaire général du gouvernement, qui avait à ses côtés le vérificateur de la République. Dans sa communication, le ministre secrétaire général du gouvernement, après avoir situé l'événement dans son contexte, a félicité le ministre de la Défense nationale pour notamment les résultats engrangés depuis le 21 octobre 2021. Il a ensuite invité à poursuivre les réformes entamées à la tête de ce département stratégique. Dans son allocution, le ministre de la Défense nationale a rendu un vibrant hommage au chef suprême des armées pour le soir porté à nouveau sur sa modeste personne. Il a réitéré sa ferme volonté à poursuivre les chantiers déjà ouverts au profit de l'armée guinéenne. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez connectés à votre chaîne préférée, Réveil d'Afrique. Partagez la vidéo avec vos amis, amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous toujours très très bien.